hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et plus précisément sur la première League et je vais vous présenter le match Manchester United contre Manchester City euh, le duel des Manchester c'est un match qui a lieu ce dimanche 29 octobre 2023 16h30 pour le compte de la dixième journée euh, de la saison 2023 2024 dans le championnat d'Angleterre Premier League alors dans cette vidéo bah, je vous propose quelque chose d'inédit une simulation une, une simulation par intelligence artificielle de cette rencontre avec les stats Ça sera sur sur la fin de les vidéos mais en attendant on va voir un peu le classement et euh, deux premières ligues avec euh, les stats des deux équipes on verra ensuite le classement des euh, meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour les joueurs de ces deux équipes, puis on enchaînera par les 10 euh, derniers résultats, toute compétition confondues avec les stats pour ces deux équipes, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Et ensuite, ce fameux match en intelligence artificielle, euh, à, à la, à, basé, je dirais, sur le jeu euh, sur PlayStation 4 FC 2024, qui retranscrit tous les joueurs euh, en fonction de leurs capacités, les équipes en fonction de leur tactique, euh, C'est tout mis à jour, et ça, ça va être top. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal plus sport, 360. Alors au classement, on a donc Manchester United qui est huitième du classement avec 15 points en 9 matchs, 5 victoires, aucun nul, 4 défaites, 11 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 2 de différence de but. On réalise un début de saison moyen. Manchester City de son côté est troisième euh, avec 21 points en 9 matchs, 7 victoires, aucun nul, 2 défaites, 19 buts pour 7 comptes, plus 12 de différence de but. Voilà, alors les deux équipes ont bien sûr moins de matchs que les autres, la plupart des équipes ont déjà joué 10 matchs, mais comme on peut le voir, elles ont déjà pas de match nul, et Manchester United, euh, Manchester City est à 5 points quand même. De Tottenham qui est premier, donc même s'il si gagne, il passerait pas premier. Allez au classement des buteurs, on a Erling Haaland qui a 9 buts en 9 matchs, qui est pour Manchester City qui est toujours présent. Après, on a Alvarez, 4 buts. Manchester United, on a McTominay, 3 buts. Euh, Rodrigo Hernandez pour Manchester City 2 buts, Fernandez 2 buts pour Manchester United, et voilà, et euh, on peut s'apercevoir que euh, Rashford n'est toujours pas dans le classement des buteurs en 9 matchs. Je crois qu'il n'a marqué qu'un seul but, bon, il n'apparaît pas ici, mais pour information. Au niveau des passeurs décisifs, on a Alvarez de Manchester City et Phil Foden avec 3 passes, Bruno Fernandez de passes pour Manchester United, et plein de joueurs à une passe décisive. Les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues. Alors pour Manchester United, euh, c'est 5 euh, victoires, 5 défaites. Ils gagnent, ils perdent, mais il n'y a pas de match nul. 16 buts pour 16 comptes plus 0 de différence de but. Alors chez eux, ils restent sur une victoire contre Copenhague en Ligue des Champions 1-0, une victoire contre Brentford en championnat 2-1. Euh, et puis avant, ils avaient perdu contre Galatasaray chez eux en Ligue des Champions 2-3, contre Crystal Palace en championnat 1-0 alors qu'ils avaient gagné 3-0 en cub juste avant. C'est une équipe qui est irrégulière, qui gagne, qui perd, mais qui est totalement irrégulière. City de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 défaites, 22 buts pour 10 comptes, plus 12 de différence de but. Alors effectivement, ils ont joué 4 matchs de suite à l'extérieur. C'était une mauvaise passe où ils en ont perdu. Du 3, donc c'était pas terrible, mais là bon, il reste sur une belle victoire 3-1 au United Berde en Ligue des Champions. Avant, effectivement, ils ont perdu 1-0 à Arsenal, ils avaient gagné 3 à à Leipzig en Ligue des Champions, ils ont perdu 2-1 Wolverhampton, 1-0 à Newcastle. Euh, voilà, donc c'était mi, mi raisin Chez eux, ils gagnent tout, mais à l'extérieur, c'est vrai que, euh, puis c'est peut-être la fatigue. Il hein, euh, y a eu après la trêve internationale qui a un peu coupé tout ça, donc ils reviennent depuis la trêve internationale par deux victoires, mais avec la fatigue, c'est vrai que bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Allez les. Compos et tactique pour les deux équipes, ça serait la même tactique avec du 4 2 3 -1. Et pour Manchester United, gardien Onana, défense Dallo, Varane, Maguire, Reguillon, mieux défensif Casemiro, McTominay, euh, mieux offensif ailier fernandes Mount, Rashford, attaquant hojlund En fait, c'est deux qu'il y a en attaque et que c'est plus Rashford. Rashford, il marque plus le but. Hein, c'est. Euh Assez impressionnant, alors qu'il avait fait une deuxième partie de saison exceptionnelle l'année passée, je crois que c'était le meilleur marqueur euh, devant Hollande, euh, et là, bah, bah, malheureusement, ça le dessert. City de son côté, même tactique, 4-2-3-1, avec Gardia Montres, défense Guardiole, Dias euh, Walker. Ah non, c'est même pas du 4-2-3, 1 les amis, c'est du 3-2-4-1. Attention, je vais faire la petite modification, vous voyez, en direct. Euh, 3-3-2, euh, c'est hyper offensif, hein, franchement comme tactique. Hein. Avec en Guardiola, Diaz et Walker en défense, Rodri et Stones en milieu défensif, Breelish, Silva, Alvarez et Duku en milieu offensif ailier et, et Allende en attaquant. Voilà, donc c'est une équipe assez, assez, assez costaud. Donc maintenant, les amis, eh ben, on va s'intéresser un petit peu à l'intelligence artificielle et euh, on va regarder le match. Qu'est-ce que ça donnerait ce match, les amis, euh, si euh, tout simplement on avait euh, eh ben, euh, euh, les deux équipes qui s'affrontaient. Euh, euh, tout simplement, alors c'est parti, hop. Alors ce sont ce qu'il y a de bien avec ce jeu, hein, c'est l'ancien jeu marqué FIFA, hein, c'est FC 2024, donc c'est euh, la mise à jour, euh, ouah, ça commence très fort pour City euh, dans cette euh, match avec intelligence artificielle. Donc tous les joueurs sont retranscrits et euh, c'est assez génial, ils sont retranscrits avec euh, leurs caractéristiques. Que ce soit de la vitesse, l'endurance, la technique. Euh, et ça, c'est plutôt pas mal et intéressant parce que euh, derrière, bah, même, même on voit des particularités physiques, la façon de se déplacer, la façon de courir, ça, c'est top. Et il y a aussi les équipes qui sont, sont retranscrites avec les tactiques, euh, l'historique, euh, bah, euh, bref, quand ça joue à domicile ou à l'extérieur, c'est vraiment très bien pensé. Et aussi euh, le phénomène, ce qui est mis à jour régulièrement, c'est vis-à-vis euh, bah, -vis des blessures, des cartons rouges et ainsi de suite. Les équipes sont mises à jour assez régulièrement, donc on, on obtient quand même des équipes assez fiables. Euh, alors, bien sûr, c'est un peu exagéré, peut-être, mais ça permet d'avoir un peu une tendance sur, sur un match. <laughs> là, on peut savoir que par exemple Manchester United a fait une sorte de pressing assez haut qui gêne City. Euh, et City, finalement, c'est au début de match, là, vous voyez, une sorte de, de contre-attaque. Et hop, euh, encore un ballon récupéré. Bah, là, c'est pas récupéré, mais euh, on peut s'apercevoir que jouer assez haut pour Manchester United, il voilà, récupère pas mal de ballons. C'est très intéressant. Est-ce que ça va marcher ou pas Ça va être la question. Voilà, il n'y a plus personne. Ouh, le raté. Ouh là là. C'est vrai que là, on peut s'apercevoir, contrairement à d'autres matchs dans la réalité, euh, Manchester City euh, a souvent la possession de la balle. Là, ça me paraît assez équilibré, assez assez étonnamment. Alors après, il y a le, je ne sais pas si l'intelligence artificielle, on va, on va le voir tout au long du match, tient compte aussi de la fatigue des joueurs, j'imagine aussi. Les joueurs, euh, je pense qu'ils se ralentissent, il me semble, dans le jeu. Hein, donc, euh, c'est naturel. Donc, effectivement, faire beaucoup de pressing, bah, ça fatigue un peu plus. Hein. Donc, ça, après, il faut voir dans la suite du match ce que ça va donner. Ça joue plutôt pas mal collectivement, mais en fait, on s'aperçoit bon, dans le jeu, hein, c'est le jeu qui veut ça. C'est que Manchester City défend un peu plus, peut-être qu'à l'habitude. Euh, là, ça, ça fait des fautes et des cartons. Alors, attention, parce que dans ce match-là, c'est Manchester United qui jouera à domicile. Hein. Et comme on avait pu le voir récemment, Manchester City avait enchaîné trois défaites à l'extérieur en quatre matchs. Donc euh, c'est qu'il y a une faille. Je trouve qu'il y a énormément de récupération de balles et même haute de la part des joueurs de Manchester United. Ça c'est un constat. Euh, début de match, euh, on peut presque dire que c'est eux qui font le, la grosse différence. Donc, quand on les met en opposition en intelligence artificielle, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Une belle action là. Ah bah ça y est. Voilà un premier but pour Manchester City. Bah, c'est presque une contre-attaque. Euh, c'est assez euh, étonnant. Faudra voir dans la réalité. Euh, si Manchester United veut faire un pressing haut, attention aux contre-attaques. Euh, D'habitude c'est plus euh, l'inverse, c'est plus les adversaires de Manchester City qui font des contre-attaques. Là c'est un peu euh, étonnant et étrange. Et finalement, bah voilà. Euh, c'est pas sûr que ça marche hein, de faire du pressing go contre Manchester City. Ou alors physiquement faut être au top, puis on n'a pas le droit à l'erreur. Avec des joueurs aussi euh, euh, rapides derrière, techniquement et en, bah, en vitesse d'action de jeu. On s'aperçoit que Manchester United ne touche plus vraiment la balle. Oula, oula, oulala. Bon, ça c'est un peu sur <laughs> la deuxième but de Manchester City. Bon, on sait Land il va très vite. Euh, Est-ce que justement il n'y a pas un peu de fatigue qui joue déjà au bout d'une demi-heure euh, dans les jambes de Manchester United dans cette première période Les joueurs sont un peu plus lents et puis avec la vitesse de certains joueurs de Manchester City, ben ça devient un peu plus compliqué. Et là, même, coup sur coup, euh, il, Manchester United a pris deux buts. Oula. Bon, ça va être bientôt la mi-temps. On pourra voir les stats et voir ce que ça, ça représente euh, malgré le score. Ouf, ouf, oulala. Et ben voilà, le troisième but pour City. Troisième but pour euh, marqué par Aland. Ah, ça reflète pas vraiment le, le score de ce match. Le, 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 je dirais, le score ne reflète pas vraiment le jeu de ce match parce qu'on a pu percevoir qu'il y avait quand même pas mal de possession de balles pour Manchester United et puis des belles actions collectives. Et c'est plus City qui presque fait, fait de la contre-attaque, mais qui, avec ses joueurs ultra rapides et son, bah, je dirais sa, sa vision du jeu rapide dans ses joueurs, euh, trouve des, des espaces. Et avec la fatigue, bah, au bout d'une demi-heure, il y avait 0-0, et puis finalement, à la mi-temps, on se retrouve avec 3-0 ça peut être une indication pour la réalité euh, derrière, on va aller voir les stats, Alors, effectivement Allende il a marqué 2 buts en, trois tirs, en ouais, sur 3 tirs, 100% de réussite au tir cadré, Bon. les autres stats, eh bien, effectivement 54 à 46 de possession de balle pour Manchester City, c'est assez rare, d'habitude c'est beaucoup plus, 6 tirs à 4, mais plus de passes pour Manchester United, Manchester City a joué plus en profondeur on va dire, euh, ils ont réussi plus de tacles, euh, bon et la possession de balle, Il euh, y a des possessions au début de match. Après, Manchester United a commencé à avoir la balle. Et c'est là qu'ils se sont fait prendre en contre. Et qu'ils se sont pris trois buts. Alors que City, au début, avait la balle. Et finalement, ils jouaient plus derrière Manchester United. Et ils ne prennent pas de buts. Donc, en fait, est-ce que c'est la, la bonne solution Vous voyez, City à 4-2. Pour les cadrer, c'est à peu près la même stat. Mais on s'aperçoit que Manchester. 67% de précision des tirs. Mais bon, c'était beaucoup de la contre-attaque. Pour les passes, il y a eu plus de passes donc, euh, côté Manchester United, mais 96 de précision des passes côté Manchester City, c'est quand même euh, énormissime. Et pour la défense, on peut percevoir que euh, si de bois 10 euh, duel offensif, bon voilà, un petit avantage quand même dans les stats à Manchester City, mais on peut s'apercevoir qu'au début de match, dans les 30 premières minutes de ce jeu en intelligence artificielle, eh ben City avait plus la, avec beaucoup plus la balle et dominait, mais n'était pas efficace. Et quand Manchester United a joué plus haut, a commencé à mieux jouer collectivement, bah ils se sont fait prendre en contre-attaque et ils ont encaissé 3 buts. Donc ça c'est une indication intéressante, on va voir ce que ça va donner pour la deuxième mi-temps. Euh, déjà euh, sur le démarrage, on s'aperçoit que United reprend comme après la 30e minute en jouant assez haut. Presque City à faire de la contre-attaque. Et c'est même Manchester United qui joue mieux que Manchester City, franchement sur l'ensemble du match pour l'instant. Euh, en, en voyant les forces en présence, d'habitude on voit vraiment City qui impose un jeu collectif, une domination, et que là c'est pas forcément le cas. Ça joue vraiment bien euh, collectivement chez United. Et là, contre-attaque. Après, il va y avoir la fatigue des joueurs qui va jouer, je pense. Ça qui va être intéressant. Voilà, de la contre-attaque classique. Ça joue pas mal aussi en contre-attaque. Et on peut s'apercevoir que Manchester United a même a beaucoup plus d'occasions de tir que Manchester City à nouveau. Et pour l'instant, ben, City n'a pas réussi à marquer en compte comme ils ont pu le faire trois fois dans la première mi-temps. Ça s'est un peu équilibré, on va dire. Par contre, Manchester United n'arrive pas à marquer. C'est vrai qu'United il récupère beaucoup beaucoup de ballons. Ah oh, joli Oh le but il est magnifique L'entrée de Martial qui a fait une différence. Ah, ça me fait mentir, c'est vrai qu'en jouant comme ça... Eh bien, ils ont réussi quand même à marquer et euh, finalement à être beaucoup plus performants sur ce début de deuxième mi-temps que Manchester City. City a de nouveau des occasions de but mais ne marque pas, bon après il y a toujours 3 au score, hein, une grosse différence quand même hum, au niveau du score Là on s'aperçoit que depuis quelques minutes eh ben Manchester United doit fatiguer Et là City a enchaîné plusieurs occasions de but, euh, c'est vrai que le pressing encore une fois ça marche euh, une demi-heure Après physiquement c'est compliqué de, de continuer à, à faire de même pendant tout le match Surtout face à des joueurs qui sont aussi forts techniquement que les joueurs de City Oula Une grosse faute. Et le goal d'United, il fait quand même beaucoup d'arrêts. Hein. Énormément d'arrêts, on peut s'apercevoir. Oula, et eh bah ben ça y est, City marque un quatrième but dans les dernières minutes. Après, il y a eu beaucoup d'occasions. Euh, comme en première mi-temps, on peut s'apercevoir euh, que euh, Manchester United a essayé de faire du pressing et récupérer beaucoup de ballons puis à un moment avec la fatigue ils ont eu beaucoup plus de mal et city a enchaîné ben, depuis euh, à dire dans le jeu une dizaine de minutes beaucoup d'occasions de but alors le goal a tout arrêté bon là il a pas pu l'arrêter euh, avec la fatigue euh, c'est cet écart de niveau qui fait que Manchester City reste complètement très dangereux moi je me demande si ça vaut le coup de faire un pressing euh, et de se fatiguer complètement peut-être qu'il faut attendre City on l'a vu au début du match où ils prenaient pas de but et dès qu'ils sont mis à essayer de, de faire un pressing tout terrain euh, ça va quelques minutes mais après il bah, y a des contre-attaques et surtout euh, physiquement il faut pouvoir tenir donc euh, ça, ça peut être vite compliqué et puis là oulala, à la fin du match on arrive dans les arrêts de jeu Et donc au final il y a déjà 4-1 pour, euh, pour City, bon après c'est un peu exagéré dans la réalité il faudra voir euh, euh, ce que ça donne C'est vrai que Manchester United a beaucoup de mal, euh, oulala, ça va beaucoup trop vite voilà, 5-1. Allez 5-1. Ça va être la fin du match. Et donc, euh, et, euh, et donc 5-1, bon, ça reflète un petit peu peut-être le nombre d'occasions de but. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est le constat que je peux en faire euh, au travers de, de ce match avec intelligence artificielle. C'est justement le fait qu'on s'aperçoit que, on que euh, bah, là à la fin ils ont pris des buts de fatigue, on va dire. Mais on s'aperçoit qu'en début de deuxième mi-temps ça a pu marcher ce pressing tout terrain. Euh, ils ont pu marquer, mais derrière, si c'est pour marquer un but et en encaisser deux ou trois, bah, c'est pas très efficace. Est-ce qu'il vaut pas mieux jouer plus reculé Et puis comme ça, ça permettra mieux de, euh, bah, de garder de la fraîcheur et puis d'être un peu plus vif en défense, surtout face à des joueurs comme Allen, Foden, des joueurs qui vont très très vite, euh, que là, bah, de cette façon-là, finalement, au final, dans le jeu, ça donne un 5-1. Euh, donc c'est... Euh, euh, c'est pas forcément. voilà. Ça, alors il va falloir voir dans la réalité ce que ça donne. J'ai hâte d'ailleurs de comparer vraiment avec le match, euh, dans la réalité du match, ce que ça va donner. Mais là, c'est le constat au travers d'une intelligence artificielle, de joueurs qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà, ça donne du 5-1. On va aller voir quand même les stats du match. À la fin du match, ça va être quand même un peu parlant parce que euh, ça va nous permettre un peu de, de juger et puis surtout de comparer avec la mi-temps. Il y a quand même eu 3-0 en première mi-temps. Euh, un qui jouait derrière. Puis à un moment, ils ont commencé à pousser et faire du pressing. Ils ont pris 3 buts. Et en début de deuxième mi-temps, ils ont poussé, fait du pressing pendant une demi-heure. Et, et, et ils ont réussi à marquer sans encaisser de but. Puis après, avec la fatigue, derrière, ils ont encaissé plein d'occasions de, de buts. Donc 54 à 46% de possession de balle. 18-11, à 11, ça n'a pas changé. Euh, ça, c'est très intéressant vraiment. Et donc... Euh... On s'aperçoit vraiment que les stats, euh, oui, c'est à peu près pareil sauf les tirs et la possession euh, qui est légèrement supérieure pour Manchester City, comparé à Manchester United. Et là on va s'apercevoir de la, la possession de balles. C'est très parlant en début de deuxième mi-temps. Ils ont réussi, euh, vous voyez, euh, c'est-à-dire qu'ils ont dominé entre la 30e et la 60e minute Manchester United, mais par contre ils ont mis un but, ils en ont pris 3. Donc après avec la fatigue ils en prennent d'autres, donc c'est peut-être pas très intéressant. 12 tirs à 5 cadrés pour City. Bon, surtout à la fin du match, ça s'est enchaîné, donc c'est presque logique ils a... que dans le jeu ils aient remarqué deux buts. Euh, pour les passes on a peut-être une plus de précision pour City. 92 à 88%. Bon, c'est à peu près le même nombre de passes en deuxième mi-temps. Et pour la défense, on a On a à peu près les mêmes stats, c'est à peu près équilibré. Mais euh, voilà, euh, légèrement à l'avantage quand même de City. Mais en tout cas. Voilà, ce match c'est quand même très intéressant, ce match en intelligence artificielle, ça nous permet un peu de, de, bah, de voir qu'est-ce qui pourrait aller, de ce qui pourrait pas aller. Mais maintenant j'ai hâte de voir le vrai match entre Manchester City et Manchester United. Euh, le match qui bah, va se dérouler, les amis, ce dimanche 29 octobre 2023 à 16h30. Donc c'est un match qui compte pour la dixième journée du championnat d'Angleterre de Première League saison 2023-2024 et donc Manchester United huitième de Premier League reçoit Manchester City. Le troisième, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.